Je m'appelle Katia Michael, je viens du diocèse de La Rochelle et je suis déléguée diocésaine pour ce diocèse à l'œuvre d'Orient depuis presque 8 ans. Je crois d'abord, c'est vraiment ouvrir les portes et les fenêtres de l'église d'Orient et de l'église d'Occident pour qu'elles se connaissent et se reconnaissent entre elles. Être au service, pour moi, de tous les chrétiens orientaux qui, par choix ou par obligation, sont arrivés dans l'église occidentale, c'est-à-dire en France. Au début de cette mission qui m'a été donnée par notre évêque, j'ai voulu jouer le jeu justement d'informer un peu les chrétiens de notre diocèse concernant les églises orientales. Et quand j'en ai parlé autour de moi, il y a plein de personnes qui ont ouvert grand les yeux, c'était en 2012, pour me dire « Ah bon, des chrétiens d'Orient, est-ce qu'il y a encore des chrétiens en Orient ?» Et parce que pour la grande majorité, je crois, des Occidentaux, en tous les cas à ce moment-là, l'Orient c'était bien sûr l'islam. Et justement, c'était vraiment l'occasion pour beaucoup de découvrir les racines du christianisme qui sont en Orient et de découvrir les communautés qui continuent à vivre et qui ont vécu pendant ces 20 siècles sur cette terre et depuis 14 siècles justement avec l'islam. Je crois que ce qui est important pour moi aujourd'hui comme déléguée, c'est justement de relever le défi de la communion. De la communion justement, entre autres, entre les églises orientales et l'église occidentale. C'est aussi un défi d'ouverture, un défi de grandir ensemble et d'apprendre les uns des autres.